Oriental poison. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre MIFA se porte bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo et je ne suis pas tout seul, je suis avec Momo. Bonjour. Juste avant que cette vidéo commence, je tiens à le dire, je suis de ce style de personne qui n'aime pas trop qu'on jette des trucs par terre, donc mes papiers sont là. C'est juste parce qu'ils sont juste très liquides et j'en ai marre de les garder dans la poche parce que je commençais à sentir dans ma poche. Donc je les ai posés là, je les ramasserai tout à l'heure. Donc si vous voyez des papiers par terre, ne vous inquiétez pas, c'est moi, ok? Bon, Momo, aujourd'hui tu vas tester la YZ. Oui. Voilà, les abonnés ils vont kiffer, je pense. N'oubliez pas les likes, le petit abonnement, le petit partage, ça fait toujours plaisir. Rouya, comme je t'ai dit, c'est comme une femme. Tu m'as bien expliqué. Masse préliminaire, on va pas trop vite. Okay. Parce que sinon, direct. Okay. Tu vois ce que je veux dire? Et avec celle-là, c'est pas un soleil que tu vas faire. C'est un arc-en-ciel, mon collègue. Alors arrête d'accélérer bêtement. Voilà. D'accord? Parce que. Ils m'ont donné plein de conseils avant la vidéo. Voilà. On l'a conseillé un petit peu avant la vidéo pour pas qu'il fasse le con. Et je te répète encore, et je te le répète même devant les abonnés, roule bien sur l'herbe. Et si la moto, tu la sens partir et tu te sens que tu vas te péter la gueule, la et que la moto elle part, je préfère que tu la lâches que tu tombes. Ah ouais. Ok, donc c'est bien noté. Si je fais un soleil ou quoi. Tu lâches. Tu lâches. Voilà, tu la lâches. Mais je vais quand même. Mais ne fais pas de. D'un coup, comme on t'a dit, comme progressif, ça, toujours là, progressif. Enfin, voilà. Il était sur la moto, il a dit même c'est un coup même. Direct. Mais un coup, elle est partie. Donc voilà. Pour l'instant, fais un petit tour en première si tu veux. Après, un petit tour en deuxième. Je t'ai montré, deuxième, tu peux mettre la deuxième. Vas-y, allez. Tant que tu fais pro. Voilà. Andrea, pas le. Accélère, accélère. Accélère. Voilà, comme ça, là. Voilà, comme ça. Voilà. Alors, vous voyez, c'est la première fois, c'est normal. Hein. Là, c'est pas les dehors. C'est pour ça qu'on avait dit pour Momo, un 85, c'est un peu beaucoup puissant. Vas-y, vas-y. N'oublie pas le frein, hein. Le frein à droite, hein. Le frein, hein. Ouais. Pose ton pied dessus, il met du réglage. Vas-y, fais-le une manie droite, là. Tac, et vas-y. Mais il a peur ou quoi, là? Il a peur. En fait, j'ai l'impression qu'il veut s'envoler et qu'il a peur de s'envoler en même temps. Ah, mais parce qu'il sait que le coup de gaz, il peut être fatal, hein. Oui, bah doucement. Doucement, Momo. Fais peur, ce petit coup. Le diable, il lâche la moto. Hein. Ouais, il a envie de se faire plaisir. Mais j'ai peur toujours. Bah, ton frère, t'as toujours peur pour lui. Quand il aura 18 ans, qu'il finisse à l'hôpital, j'en ai rien à foutre, là, il est encore trop jeune. Quand il sera majeur, il aura les os un peu plus solides. Là il s'est fait peur. Là il s'est fait peur. Là il l'a senti partir. Il a posé les deux pieds au sol. Il a pas posé. Il faut pas en fait, faut jamais poser les pieds. Toujours garder un pied sur le frein. Doucement, Momo. Il a oublié qu'on lui a dit d'abord de la tester avant de cabrer. C'est les jeunes. Les jeunes, exactement. Les jeunes. Mais c'est ça en fait, normalement un jeune, tu le mets sur un champ comme ça, il reste pendant 4-5 heures dessus. Toute la journée. Et c'est comme ça qu'il apprend. Mais faut qu'il apprenne le frein. Ah oh, oui, oui. Doucement, Momo, doucement. C'est bien, il a utilisé le frein, ouais. Oui, le frein, ça te fait retomber directement. Il va
failli me tuer. Bon, quand? Hein? Quand? Là, là. Ah, t'as déjà failli faire ton premier crash avec la moto? Momo, ouais, toujours le pied sur le frein. Le truc, je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer un truc. Alors, là, il m'a mis ma dose d'adrénaline aujourd'hui. Je vais t'expliquer un truc. C'est bien que tu essayes de faire du wheeling. Mais comme tout à l'heure le Bafi l'a dit, une moto tout d'abord c'est bien. Premier tour, première, deuxième, troisième, hop, quatrième par exemple, admettons. Fais tes petits tours avec tes vitesses. T'apprends un peu les vitesses de la moto. Après, une fois que t'as bien roulé avec pendant, je sais pas moi, 10-15 minutes, ouais. Là t'essayes le wheeling un petit peu. T'essayes un petit peu de voir comment ça cabre, tu vois. Freiner un peu. Tu cabres exprès, tu freines. Même si tu cabres pas haut, tu freines. Tu cabres en haut. Mais là en fait, t'as trop essayé juste de faire du wheeling, tu vois. Mais en fait, ce qu'il faut que tu fasses, mon, pour apprendre le frein, c'est tu lèves, tu vois, tu lèves, tu freines, tu lèves, tu freines. C'est comme ça que tu l'apprends. Et en fait, tu lèves après de plus en plus haut et tu freines. Tu vois, mais d'abord, c'est en fait, c'est ça. Tu vois, comme ils m'ont appris, comme ils m'ont dit les gens, c'est en fait, tu lèves, tu freines, tu lèves, tu freines. Tu fais ça pendant des heures. Après, tu voilà, pendant des heures, tu fais ça. Le frein, c'est tout en fait. Hein. Et après, en fait, tu vas savoir à quel moment elle monte ta moto et quand tu vas. Voilà. Après, ça, c'est comment vous dire. Après, ça, c'est un truc que tu peux rien y faire. C'est le cerveau humain. Du coup, t'es con, tu vas faire le con, mais ton cerveau, en fait, il va savoir c'est quand qu'il faut appuyer, voilà. C'est quand qu'il faut. Eh oui. Tu vois, c'est voilà, c'est comme ça, c'est cerveau humain. Ciao, là, c'est pas les deux, ça sera un automatique. La première, voilà, t'es au moins. T'as compris pourquoi je t'avais dit, toi, 85, trop puissant pour toi. Ouais. En première, t'es quoi, tu t'amuses même pas. Ah bah non, t'as pas la serre à la première. C'est troisième, normalement, t'es en troisième. Normalement, tu mets la troisième. Ah oui, la première, c'est toi. Normalement, tu mets la troisième et c'est bon, c'est parti. Là, j'étais en. Au bout d'un moment, j'étais en première, voilà, j'étais à 30 au moins. J'allais trop vite, tu imagines, ouais. Tu vois combien? Tu vas sur la rocade, tu mets une plaque dessus. Ça fait des très bons wheeling en tout cas. Ah ouais? Oh putain, il y a un hérisson. Non, c'est une mode de terre. Ah ouais, d'accord. Ouais. Oh, je crois que j'avais écrasé ça. Je crois que j'avais écrasé ça. Allez, bah on va bon. Tiens, je te rends là, le truc, elle est beaucoup trop. Non, bah juste hachec mon frère, le mouchoir. Tiens, ouais. Un mouchoir. C'est t'inquiète, j'ai sur mon poche. Ah, ouais. Vas-y, frérot. Bref, en tout cas, les frérot, c'est très dangereux. Là. Moi, j'ai jamais fait de cross comme ça. T'as vu les vrais YZ et tout. Moi, on était sur les dirt et tout. Mais ça, là, mon pote. Voilà, au bout d'un moment, j'étais en troisième. J'ai oublié que j'étais en troisième. J'ai fait ça. Elle est partie toute seule. Voilà. Bon, la team, ben, n'hésitez pas quand même à partager, commenter, liker et vous abonner pour plus de vidéos. Ciao. À très bientôt. Ciao. Ciao. Je pense que j'ai bien cabré, même si c'est la première fois que je suis une vraie moto. Mais bien, maman. Sartek. Ciao. Jamie!